Ok, c'est reparti pour le petit passage bonus pour vous. Là, là. Et spoiler alert, c'était pas le coucou, le mob qui me manquait dans cette zone. Toujours en direction de la plage, là j'ai direction de chez Ruby, c'est pas où. Par là. Ouh, la nuit va tomber. Ici, y a pas quelque chose en vrai. Je trouve que c'est un sel de mercure, j'ai juste l'air fini. Alors, je tiens à préciser que j'ai jamais réussi à compléter le bestiaire de base de ce jeu. C'est pour ça que j'en profite un peu. Bam. Bam. Je suis plus rapide. Rapide. 4 de dégâts. Ça, je peux sucer les zones de merde. 333. Moisi sur rouge, très bien. Il gagne quand même pas mal d'XP en vrai. Pas de la merde. Donc là, je vais faire. Allez, hop. Et là, c'est un peu la merde parce que y a rien. On va choper les bons mobs. Royal des creux vicieux. Ça encaisse. Oh, des creux vicieux, j'avais déjà. Bien vérifier quand même. Vicieux, calamarmo, royal, il me manque un. Peut-être que le dernier, je peux peut-être le rencontrer dans. Je pense qu'il faudrait peut-être mieux que je tryharde le petit gars qui me manque plutôt que de m'occuper de ça. Il y en a là-dessus peut-être. Si je le rencontre là, c'est pas très grave. Je pense que j'ai pas à affronter un combat. Ça lui tombe. Il apparaît la nuit. Oh. Oh putain, sérieux. Critique. Eh, hey, y'en a un qui va survivre quand même. Petit ventimal. C'est un dégât. Warrior, sale bête. Oh yes, sale bête. Sa bête. La sa bête. On va se concentrer sur. Sur Picam. Chasseur de tête, j'ai déjà eu. Oh, triple kill. Pas d'XP, hein. Merde. Pas de. Cette zone là que j'ai pas visité en fait. Arrête de faire des coups critiques, ça sert à rien sur ces mobs. Moisissure rouge, putain, je vais collectionner moisissure. Je collectionne la peste et le choléra. Gna, 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 gna. Sorcière en vue là-bas. J'ai jamais rencontré autant de monstres célèbres. Je
plus rapide, c'est ça qui est cool. La femme fatale. Tête de dégâts, je vais la défoncer. Encaissé fort. Anti-magie. La bonne blague. Ah, on va rencontrer une autre catégorie qui peut monter à tension très 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 vite. Allez, du cuivre. C'est de la merde. Non. Au revoir, Azel. Je vais aussi ouvrir plein de coffres à l'extérieur, chose que je fais très rarement aussi. Ah bah, c'est une bonne séance de farming. Un anneau d'or, ah oui. Quand même, c'est pas de la merde. Thune. Je pense voir les deux mêmes mobs de merde là, ça commence à me bien faire. Ça commence à me saouler. On arrive fort à encaisser. La nuit, il n'y a que ça. Et attends, mais non. Runner, ça par contre c'est pas mal. Comme ça qu'on fait. Ouh, confusion de bruit, ça va faire mal. Qu'est-ce que j'ai dit? Confusion de bruit, ça va faire mal. Ça suffit! Un monde de merde! Okay, ça c'est bon. Je pense que. Les renards nocturnes là, c'est intéressant. Et oui, c'est ça. Ok, on est bon. Pas TP? Passer à la suite. Récupérer 52 000 de thunes au total alors qu'il m'en faut 30 000 actuellement. Il faut le double. Baccara, église de la falaise. Sauvegarde au passage. Donc là il me reste plus que cette zone là à visiter, sachant qu'il y a pas mal de mobs encore. Bien compléter mon bestiaire, dis donc, aujourd'hui. Chose qui sert à rien. 3900 thunes seulement. Oh, j'ai encore rien fait en vrai. Pour deux boucliers. J'ai récupéré le coffre là-bas. Mais bon, j'ai déjà récolté le lait de là-bas. Et c'est parti. Des smilodons. J'en avais pas croisé. Pour cause, ils font mal.
J'en avais appelé qu'un, hein, j'en ai pas appelé autant. Herbe médicinale, très bien. C'est par là. Il m'en manque encore plein. Ah hein. Oh non, c'est le smilodon qui me manquait. Là, ça devient compliqué. Hein. À vrai dire, ouest, je sais qu'il m'en manque. Désert, il m'en manque plus. Hein, c'est celui-là. Ah, il m'en manque plein. Ils sont là, les trucs. Normalement, l'île, on est bon. Là, on est bon. Ben, on est quasiment bon partout. Un petit peu que l'océan, en vrai. Tant que rien n'a rien. Je sens qu'il y a un ennemi qu'il faut que j'évite au niveau de l'océan. On se marre. Direction. On va aller au nord. On va aller vers. Ouais. Alors, désolé, il faut que je regarde à peu près la zone. Que je vois à peu près parce que là, c'est compliqué. D'ailleurs, les îles, j'ai tout fait ou pas aussi. Il m'en manque, hein. Tout ça aussi. Donc, on a 1, 2, 3. 4-5. On peut affronter les 5. Donc 2, je sais où je peux les trouver. Mais c'est chaud. C'est par là. Allez, ça commence déjà. Le premier à droite, on l'a pas affronté. Ok. On a fait des dégâts quand même. Posez peut-être la question, comment ça se fait que je laisse des points d'interrogation en bout de liste en me disant c'est bon j'ai fait la zone, ça spoil beaucoup après. Vous comprenez bien qu'il va y avoir des nouveaux monstres dans les zones. Qu'on va se spoiler à partir d'une étape plutôt importante dans le jeu qui va me permettre de pouvoir enfin visiter toute la carte tranquillement. Il reste encore, par exemple, là, la zone que je suis en train de contourner, je ne l'ai pas encore visitée en vrai. Donc là, je suis en train de contourner ça exprès parce que je veux savoir. Il y a des sirènes. Et ça, on l'a déjà affronté. C'est elles, justement, qui peuvent passer d'une tension tranquille à une tension. What the fuck? Super crap. Ouais, c'est bien passé. 7 de dégâts pour Ori. Le pouf pouf! Oh, sérieux? Sérieux? Les dégâts de riz. Demi-tour. Niveau encore du stuff aussi. C'est vrai que j'exagère un petit peu pour les ruines des ondes, mais au moins c'est vraiment pour être sûr encore une fois. Ce sera normalement pour la semaine prochaine si tout va bien. On ne fuit pas, bande de lâches. Oh, l'accélération.
Oh putain, sérieux? C'est pas drôle. J'ai regagné de l'XP. Y a pas une île sans nom d'ailleurs sur la carte. Si. Faut juste que je la retrouve. Je mets vraiment loin pour être dans les zones hors map parce que c'est là où il y a des mobs que je n'ai pas encore affrontés. En fait, la zone de l'océan est divisée en plusieurs secteurs et je me rappelle que de 2-3. Par exemple, celui qui est sous le pont où j'affronte le fameux lézard bleu. Il y a la zone au moment où tu quittes le désert, au moment où tu as le bateau. C'est des mobs. L'océan en général, donc ça c'est vraiment à l'extérieur de la map. Et on a surtout une dernière zone où il y a au moins deux mobs que je dois rencontrer. C'est la zone de la dernière île. Et j'ai aussi une zone... Les emmerdes. Casse-couille. Ça suffit. Que je fais suffisamment de dégâts sinon ça n'arrive pas de fin. J'ai le niveau 28. Ça monte bien là. Pour les 12 PV ça fait plaisir. Et l'épée à 65. Ça fait plaisir aussi. Bientôt ça va atteindre les 99. Je crois que c'est le niveau max 99. Donc c'est le 100, je sais pas. Je vais m'empresser que Yanggu atteint son courage à 100. Donc là, je crois que c'est là qui est. Non, ça c'est le désert. Ouais, ça c'est le désert, c'est pas par là. Mais ça va pas m'empêcher de rencontrer les mobs. Y a pas l'île sans nom là-bas. Les Calmarois, on les a déjà rencontrés. Je sais pas où ça m'intéresse. Donc c'est ça qu'a PV. Ça me fait péter. Ah, surtout qu'il tape plus tard. L'XP, sans c'est l'XP que je vais manquer à la fin, c'est pas la thune. Là, je manque des deux. C'est long. Sauf qu'il n'y a pas une île ici avec un objet cheaté, je sais plus. Je sais plus. Là que j'avais visité. Ouais, c'est cette île. J'avais déjà visité. Encore des Calmarois. Et c'est eux qui tapent. Donc j'ai un peu d'armure. Il faut savoir que les mobs que je dois chercher font le double. Ouch. Tout sur Yanggu. Au moment qu'il fait
62 de dégâts, ça fait tellement plaisir. Ouais, ça va devenir très dangereux. Écoute-moi. Oh, 200 PV presque, Angelo, encore un niveau. Non, pas eux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je vous ai déjà croisé aujourd'hui, c'est bon, je peux vous voir. Ouais, ça se soit. Mais vas-y que ça se soit. En plus c'est celui auquel je me focus. Et vas-y que ça regarde avec des yeux. Vas-y que ça meurt quand même. Allez. Et vas-y que ça se soit finalement. Et vas-y que ça pense qu'à se soigner, je perds du temps. Je voudrais te re-soigner encore une fois. Non, j'ai pas du temps. Une zone où il n'y a que des golems dehors, ça serait cool. Ici, c'est pas le. C'est pas là qu'il y a le petit monstre là. Normalement, c'est ici le sommet. Des mutancres, ça c'est bien. Il y a des gosses. Let's go. On va vérifier si c'est pas là qu'il y a l'autre œil là. Coffre là-bas. Oh! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh merde! Il y a des trucs bien ici, on va y rester. Et de l'XP à se faire. Non, c'est à ce que je pense. Non, c'est pas possible. On y va à pied, hein. Apparemment il y a des très bons mobs ici. On va les faire. Est-ce qu'il y a des très bons loot aussi ici ou pas? Des caniboîtes. Je pense que je vais commencer à les piller. C'est la bonne île. 330 PO, donc bref, on fait de la thune ici. Une épée de platine. Ouh. Ouh loulou. Ouh, épée de platine. Angelo plus 4. C'est économie. L'épée de platine, ça c'est bon. Plus de dégâts pour Angelo. Un million de caniboîtes. On aime tous. Non, Jessica, tu vas taper là-haut. Angelo, tu tapes là-haut. Oh, l'esquive. Pour regretter. Ori en caisse, ça c'est bien. Beaucoup de thunes, c'est bien. Caniboîte donne de la thune.
pris, putain, 660, je me souviens. Un clou en fait. Je pense à faire du pillage de Kenibot. Ça fonctionne bien. Bon, il y a des bons mobs ici, hein, je reste. Des gluants de merde. Ah. Putain. Moi tellement qui est-ce que je pense. C'est impossible. Je ne peux pas être ici. Peut-être de nuit. De toute façon, il y a une zone où je vais pouvoir farmer l'XP autant que je veux. J'aime bien qu'il y ait encore des coffres. Le meilleur coffre, il est là. Oh oui, je le sens bien celui-là. Un limite à peur, enculé. Je me suis fait arnaquer. Faut que j'arrête. Non, pas de petit. Et c'est la laine. Quadruple esquive. Oh, oh super. Ok, c'est une sale bête. Donne rien. Sale bête. Oh, je le sentais tellement bien. Il était verrouillé et tout. Je me suis fait arnaquer. Dans cette île de mort, il n'y a que Kenibot. Deux imitateurs prévenus. Merci les gluants. Ça encaisse. Ça encaisse. Sérieux. 8 de mana. 8 de mana. Mana et sa dodo. Putain, y'a plus Cory. Ouais. Bien joué. Bien joué. Un mort. Bien joué. Il peut kill. Non, c'est bon, j'ai dodo. J'ai dodo trop. Putain, il dort, mais il n'y a pas de si tu dors, t'es mort. Oh non, jusqu'à aller trop en retard niveau pour XP. Ralenti. Attaque deux fois, c'est chiant. 147 pièces d'or, les imitateurs, c'est chiant. Ils sont partiels alors que... En double sont partiels. Ça vaut un soin, Max. On se balade encore sur cette île magnifique, remplie de trésors, et de trésors, et de faux trésors, et de vrais moutons. Eh, mort. Par contre, il n'y a plus de caniboîte. Il n'y a plus mon mercure. Rends mon mercure. Donne le mercure. Le sème de mercure, il est où? Donne le mercure à Bibi. Je secoue le cocotier, ça fait tomber un trésor. Je secoue ce mouton, il fait bête. Il y a encore deux imitateurs. Focus. Arrêtez! Oh! Mana! Non, pas le dodo! Putain, pas le dodo! Pas encore le dodo! Merde! Deux fois sur Jessica, ça serait dégueulasse. Mais arrêtez sur Ori! Ok, il vénère. Tapez. Tuez. Devoir quitter l'île, ça continue. Je veux pas. Et objectif 10 000 PO. Je suis à 6 000. Plein de Kenibot.
Des gluants. Ah, ça encaisse. Quel gluant de niveau 40. Une armée de gluants. Une émeraude. Un seul gluant. Eh, hey, c'est bon là. Nous sommes attaqués par l'île aux mille gluants. Une île se transforme en gluant. Je me fais humilier par des gluants. Ça suffit. Pièces d'or. Il n'y a rien du tout. Il y avait un slime de mercure là. Je crois qu'il apparaît que la nuit. Et même qu'on ne pas dire et apparaître deux jours. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait très plaisir. Aussi unis, il n'y a que des gluons. C'est des gluons de niveau. Hein. Coup de méga de jeu. Ouais, de me donner 8 pièces d'or, je m'en fous. Tu peux pas me donner un gluant différent? La réponse est non. Ah, vas-y, tue-le, Yangu. J'ai cru que c'est lui qui allait mourir. Je t'aime, tiens. Mon air frais. On allait me toucher. Tu pues, dégage. Nice. 240 pieds dehors, toujours cette gagnée. Allez, des caniboîtes. On aime les caniboîtes, ils sont plus faciles à vaincre et donnent plus de thunes parce qu'ils arrivent à plusieurs. Pas un peu ici. Si, il y avait une tapeur des couilles là. Enfoiré. Oh là là, un imitateur de caniboîtes. Incroyable. Mais vrai. Ça compte rien, c'est mal. Et la thune à gogo, trop bien. 293 pièces. C'est agréable. On va prendre. C'est qu'un level up, ça serait cool aussi. Pour cela, il me faut le mob. Le mob que j'attends ici. Je l'ai vu une fois. Je l'ai jamais revu depuis. Oh, il est là! Chopez-le! Lancé étoilé! Super lancé! Oiseau de feu, c'est mieux! Coupe jarret! Coup double! Lame de métal! Putain, t'es chiant! Mais t'es chiant! T'es vraiment chiant là! J'ai jamais vu un, c'est un mercure fuir tout le temps! Non, j'arrête pas de le croiser, hein. Chaque fois que je le croise, premier réflexe, il s'enfuit, c'est bon. Attaque un peu, laisse-moi une chance. Même pas les bonnes attaques. Les caniboîtes. Moi aussi. Mais... Ah non, ridodo. Putain, mais ça c'est nul là! Arrêtez! Ça n'a aucun sens! Doudou. Pourquoi elle est pas affectée? Elle résiste à la magie. Coup critique!
plus crâne dans sa gueule. Et au moins le gluant qui est intelligent. Deux gluants intelligents. Ça va plus des renforts. Oh, il y a ce qui est saloperie. Qu'est-ce que c'est couille là. Et redododori. Oui. C'est chiant. Non, qui fait dodo. Oh, maintenant c'est le killer. Et redodo. Ah non, c'est bon. Toujours pas mort, mais c'est chiant. Écoute, eh oh. Ça suffit maintenant. Faut attaquer le caniboite. Il va finir tout le monde là, avec ses attaques crâne à gogo. On se réveille. Bon, ça suffit, ça fait deux fois qu'il esquive, c'est bon. Allez, maintenant ça meurt. Slime, il se croyait fort, mais on est où? Merde, toujours de la thune. Je perds de la mana dans cette île de merde. Au niveau de la plage, ça se passe comment? Il y a encore des gentils ou c'est des mobs de mer? T'as peur pour changer. Je pense que... Ah non, pas dodo. Il est pas agile. On va level up. Bon, je m'inquiète pas parce que les slimes de mercure, j'en trouverai plein. Mais il faut que j'attende très tard. Et pour vous résumer un peu la situation, il n'y a qu'un perso qui pourra les affronter facilement. Ils sont autres. Herbe médicinale, on s'en fout. La nuit commence à tomber. 37 minutes. Ouais, deux caniboîtes. Ça c'est gratuit, ça donne de la thune. Un trésor. Un trésor. Donc il y a des sacs qui rapportent plus. Hein. En tout cas, la nuit, c'est les caniboîtes qui pop. Hein. Il y a plein de thunes. Le jour, il faut que j'aille sur l'île de Neos. Et la nuit, il faut que j'aille ici. Ça, je me fais plein de thunes. Couille en or. Des gluants. Des super gluants de la mort. Ouais, on peut appeler de l'aide, lui. Putain, j'en ai monté. Et c'est parti. Ça ne s'arrête plus. Pourquoi il faut qu'il vienne un par un? Non, il en reste plus qu'un, il va appeler l'aide. Tout ça a l'air. 8 pièces d'or. XP.
Le slime métallique. Le slime métallique. Ou de mercure plutôt, c'est mieux. Cette fois, il s'échappe pas. Il de nuit, il est agressif. Allez, vénère. Kelly boîte. Les gluants, on s'en fout. Kelly boîte. Boîte. 100 pièces d'or. Super. Bon, je pense que je vais attendre le lever du soleil pour aller à Argonia, acheter les boucliers, source, régène, enfin. Oh putain, il va encore appeler de l'aide, mais c'est chier quoi. Arrêtez! Paralysie. Henri, vas-y, tue les deux. Henri, pourquoi t'es si lent? T'es encore plus lent. Oh putain, il en reste plus qu'un, non. Ah si, on dit. M'en fous de vos herbes. Je m'en fous. Le mercure. Le mercure. Le mercure. J'ai lu normalement ça pop là, non? Des cannibates je prends aussi pour l'instant. Ça fait de l'XP, ça fait de la thune. Il est là. Chopez-le. Tous les ennemis. Coupe jarret, coup double, lame de métal. Oh, il lance un sort. C'est jouable, vas-y. Vas-y. Deux. Oh, sur Angelo. Trois. De dégâts, il faut qu'il tient le coup encore un tour. Ça va être chaud, hein. Oui, il est là. Il est là. Allez, encore un de dégâts. Il est mort. Oh, regardez l'XP. XP. 10 179 d'XP. C'est le deuxième mob qui donne le plus d'XP. En dehors de certains boss, je crois qu'il y a des boss qui peuvent gagner presque autant. Mais c'est le deuxième mob de base qui donne le plus d'XP. Le premier en donne 4 fois plus. Et il se trouve exactement dans la fameuse grotte dont je vous ai parlé. Par contre, impossible de le battre dans les conditions actuelles. Il faut que Yanggu ait une capacité spéciale pour que je le one-shot. Et peut-être Angelo aussi. Allez, du niveau. Yep. 17 PV, 8 PM, 4 de force, 5 points de compétence. Encore ça, 85. Yanggu, niveau 29. Ça fait 2. 12 PV, 1 PM, 6 points de compétence, 83. Humanité, grand chef, conjuration. Jessica niveau 28. Ah, faut pas le micro-coupure là. 12 PV, 15 PV. 12 PV ça fait du bien. 12 PV ça fait du bien. Et Angelo non. Ça veut dire que j'en ai eu 3 sur 4 qui ont level up. Mais dans ce jeu là, c'est impossible que les 4 persos montent de niveau en même temps. Malgré que j'ai gagné 10 000 XP. Mais le plus important c'est que il est dans mon bestiaire. Non, il reste plus qu'un mob, plus dur que lui.
Mais ça fait du bien un gros level up comme ça. Le level up. D'ailleurs, Ori a atteint le niveau 30, donc c'est le niveau dont j'ai besoin pour vraiment passer un peu plus facilement la zone pénible. Je suis très heureux de finir cette séance sur cette île. Des pili-boîtes ! Oh, un dégât, d'habitude il encaisse et là il a juste le level up, ça y est. C'est le double dodo. Un dodo. Et là de peu, je vois Angelo qui level up. Non, c'est 330. Allez. Je savais bien que les slimes de Mercure la nuit ils sont plus vénères. Hein. Preuve. Oh, un autre gluant. Ça va être chaud. Lui il va s'enfuir. Je ne suis pas, mais ils sont trop bien la nuit. Hein? Oh, il a esquivé, il a même pas enfoui. Oh, double esquive! Oh, il est chiant! Triple esquive! Cheaté celui-là! Il est cheaté! Ah non, c'est bien, lui, c'est un gros troll! On va gagner 10 000 d'XP, mais c'est pas mal! Attends, le petit lever du soleil là! Encore! Magnifique! J'en compte plein là! Oh, ça donne pas envie de se coucher là! Bon, un petit sort crâne! Pas de dégâts! Allez, deux! Il faut deux tours pour le tuer! Oh, quatre! Cinq! Six! Putain, il va s'enfuir avant, saloperie! Il s'enfuir avant! C'était assuré de dégâts sur 2 points d'XP et des herbes de merde. Ah non, mais il faut Pyongyu, il est ce que je veux. Mais le problème, c'est que c'est pas une compétence de faux, c'est une compétence d'une autre arme. Et comme j'ai envie priorité sur. Compétences de faux et de courage, surtout. Voilà. Tune toujours. Allez, un petit dernier combat, je pense, après. Pour me reposer et tout. J'ai bien fait de faire une heure de plus, finalement. Ultra rentable à ce qui vient de se passer. Encore prêt à aller dans les ruines de l'ombre. Est-ce qu'il est ça? pièces. Mais bon. J'ai tellement pas envie de m'en aller. J'aimerais tellement tenter une dernière fois un petit Mercure. Mais... Bon, y en a un qui est tombé, c'est déjà ça. On les connaît que trop bien. Et c'est parti les emmerdes. Je sers à voir pour la peine parce que ça va être. Allez, trois autres, c'est parti. Un mort. Neuf pièces d'or. Tâche de gueule. Ah. Le soleil va bientôt se lever. Mais vu l'heure, je vais devoir... Caliboite, il y a sa peur. Allez, c'est le dernier sûr.
Bam. 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 The perfect. Un clou en fer, on y passe après. Je pense que je peux me téléporter à la source. Ah, si je perds un ou deux de mana, c'est pas très très grave. Faire ça tout le temps, on fait une fois de temps en temps. Allô. On va aller à Argonia. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Est-ce que j'ai mis 10 000 de thunes? Il me manque 1000. Je vais devoir aller à Baccarat. Il me manque 1000 de thunes. Il va y avoir quelques combats de prépa où je vais complètement oublier d'ici la semaine prochaine de toute façon. Donc Mais voilà, une petite épée de platine, c'est tout ce qu'on a gagné. Du level up à gogo, c'est ce qu'on a gagné aussi. On est pas mal. Mais bon voilà, c'était pour m'excuser de la coupure inopinée de la première partie, d'avoir une partie en plus. Et du coup... Ah, je pourrais prendre les deux casques. C'est pas mal aussi de prendre deux casques. Donc deux levels, ça c'est bien. Si je prends deux levels par séance, dans 50 séances, c'est réglé. Hein. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter là. On se retrouve du coup mercredi pour notre séance World of Warcraft. Normalement, c'est du Ulduar un peu spécial. Ce sera du 25 HM ou difficile pour être plus précis. Je dis HM, mais en vrai, c'est difficile. Ça, c'est à cause de la guilde qui arrête pas de dire HM alors qu'en fait, c'est le mode difficile. C'est le seul raid où on fait un mode difficile, non pas un mode héroïque. Ensuite, on se retrouve vendredi pour notre séance Genshin Impact à l'aventure aux compagnons avec Crystal Analyse à faire. Ensuite, on se retrouvera samedi pour un stream détente qui sera consacré à du Yu-Gi-Oh! Et ce sera un point collection. Et enfin, on se retrouve lundi prochain pour les ruines des ténèbres après m'être bien stuffé. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus plus. Ciao, c'est Jean.